est arrivé et c'est le moment idéal pour profiter de la belle saison avec nos bouteilles d'eau qui changent de couleur avec l'eau glacée. Dans la piscine, dans le jacuzzi ou sous la pluie, des heures de plaisir garanties. Hydratez-vous de la façon la plus fun qui soit avec High on Fun. Utilisez le code SUMMER40 et bénéficiez de 40% de rabais sur nos bouteilles d'eau pendant 7 jours seulement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est en voyage dans le nord de Québec. On a un événement. Comment je peux vous dire? Secret encore, je peux pas parler de ça. Mais je me suis dit, on va faire un petit vlog. Déjà, on a pas super bien dormi. L'hôtel est super sympatoche, mais il y a une odeur d'une serviette pas bien séchée dans toute la chambre. J'ai aéré la chambre toute la nuit et c'est pas parti. Ça m'a limite donné un peu mal à la tête. Ici, Bobby a dormi. À côté, il y avait Snow. Ça, c'était notre chambre. Le bureau, la télé et nos valises. Et bien sûr, le pipi-pet parce que les petits chiens sont bien éduqués. Et là, Carl est en train de prendre sa douche. Coco! Allô! Je voulais vous dire aussi un grand merci parce que vous avez laissé énormément de commentaires méga positifs sur notre dernier vlog du jardin. Je sais, c'est énormément de travail, mais ça pousse un truc de fou. On a hâte qu'on puisse manger des salades et on va faire un update bientôt. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo que j'ai adoré faire sur ma chaîne principale. On va laisser l'employé décider ce qu'on mange. En plus, on est dans une région où on ne nous connaît pas forcément. Par contre, on s'est fait se réparer hier dans la rue plusieurs fois. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Bobby, est-ce que tu veux aussi que l'employé décide pour toi? Non, hein, toi t'as déjà mangé. Thomas la pâte. Thomas la pâte. Thomas la pâte. Non. Allez Bobby, donne-moi la pâte. Yes. T'es prêt? Yes. Avant de partir, skincare routine. Première étape, on va chez McDo. J'ai vu, ils ont même un petit parc. C'est vrai, tu veux aller jouer? L'option McDo pour le petit déjeuner, c'est plutôt pas mal parce qu'on peut quand même manger des trucs qui n'y a pas de viande, donc... Mais là, on va voir. Bonjour, j'ai une question un peu bizarre pour vous. En fait, on est deux personnes et on aimerait bien que vous choisissiez pour nous ce qu'on va manger pour le petit déjeuner. Est-ce qu'on peut vous demander ça, s'il vous plaît? Oui. Super. Il y a juste une chose, on mange pas de viande. Mais pour le reste, on voulait choisir tout ce que vous voulez à boire, à manger, sucré, salé. C'est vous le chef. Parfait, c'est tout? C'est tout! Merci! Wow! Mais là, connaissent le concept ou quoi? Ils sont tellement gentils, en fait, ici, c'est incroyable! Tout le monde est sympa! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça! C'est vrai? C'est toujours drôle! Salut, ça va? Merci! Déjà, je pense qu'on a un petit café glacé! Super! Ouh! Petite boisson orange! Super! Merci. Merci bien, bonne journée. Alors là, je suis curieux de savoir ce qu'on va bouffer. On va aller manger à l'intérieur, mais je pense parce qu'Isaac veut jouer dans les jeux. Ok donc, alors on a toute la salle de jeu pour nous. Oui. La madame, elle a regardé bizarre quand j'ai demandé si on peut venir ici, non? Un petit peu, un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on a à manger? Tiens, ouvre ça. Moi, je vais ouvrir ça ici. Il y en a deux, donc je sais pas s'ils nous ont mis la même chose. Moi, j'ai eu un œuf McMuffin. On dit ça comme ça? Oui, moi aussi. Et avec pas mal de fromage en plus. Mais ça va être bon. Oh! Un petit pâté à déjeuner. Cheers! C'est tout? Y'a pas de dessert! Une serviette? Mais là, peut-être que le dessert ce serait dans les verres. Peut-être que c'est très sucré. Il y avait un café comme ça, je pense. Yeah, c'est comme un café au lait glacé. C'est bon. Je veux savoir c'est quoi la boisson orange. Est-ce que c'est un jus d'orange ou c'est comme pétillant? Pêche. Hein? Yeah, pêche. C'est bon. Ça va nous donner la pêche pour la journée. On a lu les instructions. T'as déjà terminé à manger? Oui, j'avais très faim. Mais tu sais quoi? Quoi? Moi, je vais terminer aussi. Et on va au prochain endroit. Super. Mais là, on a un meeting avant. Oui. On peut rien dire, non? On peut rien dire. On peut absolument rien dire. Bientôt, bientôt. Okidok, alors on a fait notre rendez-vous qui se passe nickel. À merveille, ça passe crème. Snow est déjà installé derrière. Oui. Elle est chilled. Bobby. Il est bien installé aussi, il fait chaud dans le tout. Oui. Et nous, on va tenter notre chance avec le prochain fast-food. Une prochaine destination. Let's go! On va aller au Tim Hortons. Sometimes I'm alone, sometimes I'm alone. Je chante aussi bien que le chat, écoutez. Vous connaissez ça? Hello!
C'est un petit chat qui chante, trop cute. Salut, j'ai une question pour toi. Je suis un peu indécis. Est-ce que toi, tu pourrais choisir ce que je vais manger pour midi? Oui, petite précision, on est deux personnes, on mange pas de viande et tu peux prendre tout ce que tu veux. Ok, merci. Mais elle aussi, elle avait l'air super décidée en fait. Franchement, les gens sont très sympathiques et très décidés. Ils ont regardé tous nos vidéos. Je sais pas, mais en tout cas, ils sont sympas. Bonjour. Salut. C'est ça? Oui. Vous voulez dire bonjour? Wow. Alors, vous avez choisi quoi pour nous? On a choisi un bol carrière de lime aux légumes. Oh. Ok. Deux fois comme ça. On a choisi une roussette au miel, un beignet aux pommes. Oh. Une moyenne limonade glacée originale, puis une aux fraises. Wow. Magnifique. Ils sont trop cute. Vraiment. Je te l'ai dit, les gens ici sont super gentils, c'est incroyable. Mais vraiment. Il va falloir vous amener les beignes. Pas de problème. Ben. Merci. One, two. Et ça, c'est une mini. Oui. Voici les bols. Wow, merci. Bonne journée. Merci. Passez une belle journée. Bye. J'arrive pas à conduire. J'ai tous les trucs folles là. Attends, on va stationner. On a eu de petits bols comme ça. J'ai entendu un aliment que toi, tu raffoles pas. Je pense qu'il y a de la coriandre à l'intérieur. C'est comme des petits ovnis. Ils sont parmi nous. Oh, ça a l'air bon par contre. Ouais. Yeah. Mmh, ça sent bon. Ouais. Yeah, tiens. Est-ce qu'on a deux fois la même chose? Je pense que c'est ça qu'elle a dit, non? Ah oui. Alors regardez. Bonne sauce, salade, ça c'est du riz. Avec quoi dedans? Je sais pas, on dirait qu'il y a du maïs, je pense. On va découvrir. Petit McBang dans la voiture. Oh, c'est bon. C'est un peu comme un chili. C'est healthy. C'est parfait pour le lunch. Et surtout, ça n'a pas vraiment le goût de la coriandre. Je pensais que t'aimerais pas ça, mais là, c'est parfait. Normalement, je suis un détecteur infaillible. Mais là, non. C'est bon. J'ai soif. On a trois trucs à tester. Je vais goûter ça, je vais vous dire c'est quoi. En fait, je suis pas capable de dire c'est quoi, mais c'est bon, c'est sucré. Je sais pas si ça goûte un peu la pêche. Pêche fraise. Un truc comme ça. C'est très bon. Ensuite, il y a une petite limonade. Très classique. Et il y a un dernier truc ici, attends. Ça a l'air très rafraîchissant pour l'été, au yuzu. Oh. Ça goûte les baies. Mais c'est baies et yuzu. Ah, mais c'est très bon. Ça, j'aime beaucoup ça. Je pense qu'en termes de beignes, ils nous ont très très bien servi. Il y a un gros beignet aux pommes. Le beigne préféré d'Isaac. C'est vraiment bon. Et moi, c'est une roussette glacée au miel et j'adore ces beignes-là. C'est l'une de tes préférées, non? C'est très bon. On est très bien tombé ce midi, hein? Avant qu'on parte, Carl a eu une bonne idée. J'ai eu un brain freeze. Oh non! Oh! C'était trop froid. Ça va? Je voulais mélanger le truc au yuzu dans la limonade au citron parce que je trouve que ça va être bon. Ça a l'air intéressant. Je peux pas en mettre trop par contre parce que sinon ça va déborder. Ouh, c'est comme un petit sunrise. J'ai l'impression d'être au Starbucks maintenant là. Mais c'est très bon. Bonne petite mixture. Magnifique. Là, on va aller chez Starbucks parce que... Un nouveau Starbucks a ouvert. C'est un peu ça la vitrine, hein? Et c'est quoi? On veut des surprises, c'est ça? Des surprises? J'ai un peu faim. Moi aussi. On va voir. Bonjour, même chez Starbucks. Ça va bien? Oui, super. Et toi? Oui, merci. J'aimerais bien que tu décides deux drinks pour nous. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Avec café ou sans café? C'est vraiment... Je veux rien savoir. C'est à toi de décider. On veut aussi deux collations. Tu choisis aussi pour nous. Et sans viande, s'il te plaît. Ok, parfait. Je vous fais ça. C'est à quel nom? Beyoncé. Merci. Beyoncé. Je voulais dire Cardi B, mais Cardi B, j'ai déjà dit. Il n'y a que toi pour choisir des noms comme ça. Salut. C'est toi qui as choisi? Ça a été un travail d'équipe. Ah oui? Wow. Merci. On a deux petits sacs et c'est chaud. C'est nouveau ici, non? Deux semaines. Ah oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça a l'air fancy. Je viens de Bueno. Ok. Ça, c'est le préféré à ma collègue. Ok, parfait. Génial, merci. Merci. Ce truc-là, ça a l'air trop bon. Ah, j'ai cru. C'est pour Beyoncé. Là, content. Ça, c'est vrai que ça a un peu les couleurs d'un Bueno. Moi, j'ai un grand latte glacé avec... sauce caramel. C'est le préféré de la patronne. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Ah, mais ça c'est meilleur. Ah oui, ça c'est meilleur. Je te le laisse. Non, on va partager. Pour manger, tu veux quel sac? Garde celui que t'as dans les mains. Ah oui? T'aimes mieux ça? Tu veux changer? Alors? Je savais que tu voulais pas le truc sucré, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Ça a l'air d'être un truc aux pommes et à la cannelle, ton truc, parce que ça sent vraiment fort. Ça sent bon. C'est un gâteau des noix. Ça ressemble à ça. Et moi, j'ai un wrap aux œufs et aux haricots noirs avec une petite sauce sriracha. Ça, c'est bon. Étonnamment,
un peu citronné. Ah oui? Mm-hmm. C'est un goût de cannelle. C'est très bon. Ah, mais c'est fou. Mm-hmm. Ça et ça. Je vais mettre un peu de sauce sriracha sur ça. Ouh, on a peut-être mis beaucoup. Oh, oh, oh. Mais oui, c'est chaud. C'est bon. Il y a vraiment de l'œuf et aussi des petits haricots noirs. Mais tu sais quoi, on devrait faire un petit partage parce que tout est trop bon là. Toujours bon au Starbucks. On a encore un peu de route à faire. Et on va prendre le souper en arrivant à la maison, je pense. Attends, ça c'est chaud. J'ai pas de soupe brûlée. Mais bon. Yeah. Mm. Ça change le brain freeze. Yeah. On est presque arrivé à la maison et là, on a le choix entre deux options, soit AW, des burgers, mais j'ai l'impression que ça sort déjà de nos oreilles. Exactement, et on s'est dit pourquoi pas peut-être aller prendre une pizza, donc on va appeler la pizzeria 900. Bonjour, juste un instant, s'il vous plaît. Bien sûr. Non, tu prends notre commande tout de suite! j'ai fait silencieux, hein. Oui, bonjour. J'aimerais bien vous demander de commander pour nous deux pizzas qu'on va venir récupérer. On aimerait vous laisser le choix des pizzas. La seule chose, c'est qu'on ne mange pas de viande et on est allergique aux crustacés. Mais sinon, on vous laisse choisir les pizzas et on veut pas savoir ça va être quoi. On veut que ce soit une surprise. Je vais prendre le nom. Ça a quel nom? Bien sûr, c'est le nom de Karl. Ben, parfait. On s'occupe de ça. OK, à tout de suite. Bye. Merci, au revoir. C'est pas Karl, c'est Beyoncé. Ah, j'ai oublié. Ouh là, je le vois, il revient avec deux boîtes de pizza. Oh, il le voit aussi. Ça sent bon, en tout cas j'étais dehors et ça sentait fort. Il y a deux pizzas ici. Tu veux savoir c'est quoi? J'ai regardé sur la facture. 3, 2, 1. Oh wow. Ça sent tellement bon ta pizza. C'est incroyable. Je pense qu'on pouvait pas mieux tomber. C'est une pizza burrata avec un petit peu d'huile piquante sur le côté. Et l'autre ici, c'est une pizza au porcini champignon. Ça là en plus, c'est ce que j'avais envie de manger. C'est vrai? Oui! Et moi je suis super content. Magnifique! Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on va se régaler. On sent très bon. Ah, c'est délicieux. Je voulais dire encore quelque chose. Oui, je sais, c'est chiant. On peut pas vous dire beaucoup en ce moment, mais on vous promet dans même pas 2 mois. Il va y avoir des grandes nouvelles. Plusieurs nouvelles. Voilà. On vous aime. On vous dit à très bientôt pour un nouveau vlog. Et gros bisous. Tu partages ta pizza avec moi? Non, je pense que non. Oh, mais là, ça, on va voir. Oui.